Bonjour. C'est quoi le nom du groupe? Tamerlan-Tang. C'est vous? Oui. Ah, vous attendez là. Bonjour. Bonjour. On arrive. Allez les filles, debout. Bonjour. Ah, bonjour Marine. Ça va? Dans le groupe Tamerlan-Tang, ils sont 24 enfants. Âgés de 7 à 15 ans, ils viennent de Montagne en région parisienne. Des enfants avec des vies parfois difficiles, ils sont encadrés ici par une vingtaine d'animateurs. Presque autant d'adultes que d'enfants, beaucoup d'autorité et de sérieux pour un objectif ambitieux que tous les enfants montent sur scène. Pourquoi vous levez vos mains? C'est le silence. Vous suivez Florence dans le silence, s'il vous plaît. Ça leur apporte quoi Et c'est, en fait, faut te poser la question à cette dame là-bas. D'accord. Ouais. Elle va tout vous dire, elle connaît tout par cœur. Oh, tordu, va. Ça leur apporte beaucoup de choses. Il y a des enfants qui ont des difficultés scolaires, qui étaient timides, maintenant ils s'expriment. Il y a plein de choses qui passent. Et même avec les familles, il y a plein de choses qui passent. Ouais. Ah oui, ça c'est très important. La pièce raconte l'histoire de Zorro, le cavalier masqué qui aide les pauvres et les malheureux en les protégeant des riches qui les exploitent. Des fois où j'ai très peur, alors je commence à avoir un petit peu mal au ventre. Et il y a des fois où j'ai pas du tout peur et je répète dans ma tête, j'ai plus le trac et après ça va. Et je le fais très bien. Allez, rigole, encore. Le frère, quand il sait qu'il y a ses parents qui arrivent, il perd sa voix. Donc à chaque fois, il faut le remotiver, il faut lui dire c'est pas grave, n'aie pas le trac, n'aie pas peur, t'es super. Et à chaque fois, il nous fait le coup. J'aime pas ce Zorro. Vous savez, les Indiens ne doivent pas se mêler des affaires du gouvernement. Vous savez, les Indiens ne sont que des leurs paysans. Et toi, t'as pas eu trop mal à la voix? Non. Tu vas mieux maintenant? Pour mon cadeau! Ati, aïe, aïe, aïe! Ati, aïe, aïe, aïe! Ati, aïe, aïe, aïe!